Heureux de vous retrouver dans la grande session d'information sur un nouveau télé, la télé totalement vôtre. Mesdames et messieurs, voici les principaux titres de ce journal. Célébrer dans la sobriété le 63e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance a été l'occasion pour le président de la transition de rassurer le peuple du Mali du redéploiement de l'armée et de l'administration sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement du Mali, à travers le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et d'autres ministères, a organisé une cérémonie de recueillement à la mémoire des victimes des dernières attaques terroristes au Mali. Conformément à la sobriété demandée par le président de la transition, le groupe Renouveau a organisé ce samedi une journée de salubrité pour commémorer le 63e anniversaire de la République du Mali. Bienvenue à tous aux informations. Le Mali a célébré ce vendredi 22 septembre le 63e anniversaire de son accession à l'indépendance. Compte tenu de la situation sécuritaire, le gouvernement a décidé d'une célébration sobre de la fête nationale. Après avoir présidé le défilé au 34e régiment du génie militaire, le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a procédé au dépôt des gerbes de fleurs au monument de l'indépendance et à la stèle du soldat inconnu à la place d'armes du génie militaire. Maliki Diallo. Dépôt de gerbes au monument de l'indépendance, revue des troupes par le chef de l'État, défilé des différents corps. La fête nationale du Mali est célébrée dans la sobriété cette année compte tenu de la situation sécuritaire marquée non seulement par des attaques terroristes contre les militaires, mais aussi contre les civils. C'est donc une manière pour le gouvernement de la transition de rendre hommage aux victimes des récentes attaques, notamment celle du bateau Tombouctou, où une cinquantaine de civils ont été tués. Pour manifester notre compassion vis-à-vis de ces familles endeuillées, nous avons décidé de ce soir aux activités festives de l'indépendance de notre pays et de fêter dans la sobriété et de réorienter les fonds alloués à cet effet pour l'assistance de ces familles endeuillées, les rescapés de l'attaque barbare et lâche du bateau de Tombouctou et aussi de soutenir tous les sinistrés de différentes régions du Mali. Au cours de cette célébration de la fête nationale, le président de la transition est revenu sur le retrait de la MINUSMA voulu par le peuple. Le colonel Assimi Goïta a rassuré les Maliens du redéploiement de l'armée sur toute l'étendue du territoire pour sécuriser et rapprocher l'administration des populations. Avec la mise en œuvre de la résolution 2690 du Conseil de sécurité, le Mali va recouvrir sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national et d'apporter les services sociaux de base à nos populations et aussi de cerner tous les aspects liés à l'insécurité. Ce redéploiement des femmes sur toute l'étendue du territoire va nous permettre de cerner et de lutter efficacement contre le terrorisme. Les invités à la cérémonie de célébration du 22 septembre ne doutent point des capacités de l'armée malienne à relever les défis. Je pense qu'aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité, avec tous les moyens qui sont à leur disposition, avec la volonté qu'ils ont et la bravoure qu'ils ont, j'ai la conviction profonde que ce sera la fin, en tout cas, des hostilités dans le nord du Mali. C'est au peuple malien de s'unir et j'ai vu qu'il y a l'appropriation de l'armée, de l'outil de défense par toute la nation. Et quand tout le peuple malien est réuni, soudé avec son armée, nous savons que nous pouvons vaincre, quelle que soit l'adversité, nous pourrons les vaincre. Pour la souveraineté du Mali, les uns et les autres sont convaincus que les FAMA veulent en découdre avec les groupes terroristes et leurs complices partout où ils se trouvent sur le territoire national. Le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, en collaboration avec la Primature et d'autres ministères, a organisé une cérémonie de recueillement à la mémoire des victimes des dernières attaques terroristes. Présidée par le Premier ministre Dr. Choguel Kokala Maïga, la cérémonie avait pour objectif d'exprimer la solidarité et le soutien du gouvernement aux familles des victimes. C'était ce vendredi au Palais des Sports de Bamako, en présence de plusieurs membres du gouvernement.
Adam Tangra, Mandela Ouattara, compte rendu. En cette journée commémorative du 22 septembre, le gouvernement a tenu à présenter à travers cette cérémonie ses sincères condoléances ainsi que celles de tout le peuple malien aux familles des victimes des récentes attaques barbares et lâches dont a souffert notre pays et des prières pour le repos éternel des disparus. Vous trouverez ici l'expression de la profonde sympathie de tous les Maliens et Maliennes à travers ma voix qui est ici celle de tout le peuple malien. Nous devons tous nous associer en ces instants difficiles à la douleur des nombreuses familles ayant perdu un être cher ou des êtres chers et prier vivement pour que le temps atténue leur chagrin. En cette période cruciale de l'histoire du Mali, le Premier ministre a demandé à la population malienne de tenir bon et l'a invité à soutenir les forces armées et de sécurité qui œuvrent pour garantir la souveraineté nationale. Personne ne va nous amener à confier la souveraineté du Mali à quelqu'un. Les Maliens vont exercer leur souveraineté sur l'ensemble de leur territoire. Il faut qu'aujourd'hui les Maliens se disent que le pays est en guerre. Celui qui mène cette guerre, ce sont les FAMA. Ce dont l'armée a besoin aujourd'hui, c'est votre soutien massif, votre reconnaissance de tous les jours, de tous les instants. Les femmes qui ont perdu leurs enfants, leurs maris, soyez sûrs, ils ne seront jamais oubliés dans l'histoire. La cérémonie a été marquée par des prières faites par les représentants des communautés musulmanes et chrétiennes. À noter qu'une collecte de fonds a été initiée par les femmes leaders pour venir en aide aux blessés de ces attaques. Déjà sur place, la cagnotte s'est élevée à plus d'un million de francs CFA. À l'occasion de la fête de l'indépendance du Mali célébrée le 22 septembre, le groupe Renouveau a décidé de jouer un rôle actif en organisant ce samedi une journée de solidarité à Missabougou où réside le groupe de médias. Cette action citoyenne avait pour objectif de sensibiliser les habitants à l'importance de maintenir leur environnement propre et sain. Amadou Djara, Mantala Ouattara, compte rendu. Muni de pelles, des balais, des brouillettes. Les agents du groupe Renouveau ont débarrassé une partie de la voie qui mène à l'hôpital du Mali. Des ordures. Cette activité citoyenne rentre dans le cadre de la célébration du 63e anniversaire de l'accession du Mali à l'indépendance. Le groupe Renouveau, qui a l'habitude de célébrer en grande pompe la fête nationale, adhère ainsi à la décision des plus hautes autorités qui ont voulu fêter dans la sobriété en hommage aux victimes des récentes attaques terroristes. Nous avons transformé le cadre que nous avons créé à une activité citoyenne. Donc nettoyer, on va dire, une artère aussi importante qui relie le centre-ville à l'un des hôpitaux les plus importants de Bamako, c'est-à-dire l'hôpital du Mali, je pense que cela va dans l'intérêt des usagers. Cela va dans l'intérêt des malades, cela va dans l'intérêt, on va dire, de la population malienne. Et nous sommes ici avec l'ensemble des organes de notre groupe de presse, mais nous sommes également avec, on va dire, certains de nos admirateurs. Le mouvement pionnier est avec nous et nous avons trouvé sur le terrain une autre activité du gouvernement, c'est-à-dire le curage du grand collecteur qui relie beaucoup de quartiers, on va dire, au fleuve Niger, au niveau de Missabougou. Et cette activité est menée par la DNACPN. Tout au long de la journée, le personnel du groupe Renouveau, accompagné de volontaires, a combiné l'effort physique et le travail d'équipe à l'action citoyenne et à la sensibilisation. Ils ont interagi avec les habitants de Missabougou, qui ont pris le temps de les remercier et de les encourager. C'est des actions comme ça qu'on doit multiplier pour dans les jours à venir pour renforcer l'assainissement au niveau du quartier. Et surtout, ça s'est fait à l'occasion du 22 septembre. C'est une très belle initiative que le groupe Renouveau vient d'attamer. Et cette activité-là va se répéter et nous allons faire en sorte que, le temps que cela va prendre, faire en sorte que le nettoyage puisse aboutir de l'échangeur jusqu'à
à la devanture de l'hôpital du Mali. Et cela va prendre le temps qu'il faut, mais le travail sera fait et bien fait. Donc, quoi que cela va nous coûter, nous nous sommes engagés à le faire. Cette journée de salubrité a été un véritable succès. Elle a permis de fédérer autour d'une cause commune des personnes de tout âge et de toute catégorie sociale. Elle a également sensibilisé à l'importance de la salubrité et a montré que chacun, à son niveau, peut contribuer à améliorer son environnement. Cette initiative, organisée par un groupe de médias, peut être considérée comme un exemple de responsabilité sociale et d'engagement citoyen. L'association Rapprochement Police à la Population à travers son bureau local de Kati a organisé ce vendredi une conférence débat sur la conduite de la population pour la paix et la stabilité du pays. L'initiative vise à renforcer la collaboration entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Encore, cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 63e anniversaire de la fête de l'indépendance du Mali. Bakary Mcdibé. Créée en 2021, l'association Rapprochement Police à la Population ou Police de Proximité joue un rôle vital dans la collaboration entre les citoyens et les forces de défense et de sécurité. La notion de police de proximité, la citoyenneté, le rôle et le droit de l'homme sont les thèmes développés au cours de cette conférence. Le choix de ces thèmes n'est pas fortuit. Le premier thème dont vous voyez, ça concerne les citoyens. Donc il faut d'abord reconnaître que les citoyens devraient connaître leur rôle dans la société. Le deuxième thème, ça fait partie de l'objectif de notre association même d'ailleurs, de promouvoir la citoyenneté, de déconstruire les stéréotypes des citoyens. L'initiative a été saluée à sa juste valeur par les représentants des commissariats de police de l'arrondissement de Kati et les personnalités présentes à la rencontre. Nous sommes tous des Maliens, quels que soient nos rangs, nos considérations. Nous avons l'obligation morale de soutenir le Mali. Quand il s'agit de soutenir le Mali, c'est les autorités en premier lieu. C'est nous, les forces de sécurité et de défense, qui doivent venir vers notre population pour qu'ils puissent nous appuyer dans nos tâches régaliennes. C'est une bonne chose. J'encourage votre association, je remercie tout le monde, surtout en cet 63e anniversaire, et qu'on demande à Allah le Tout-Puissant de bénir notre pays. Face à certaines difficultés, l'association a recommandé l'appui des autorités de la transition. Pour dire aux autorités de la transition d'ouvrir leurs portes. Parce que nos présents qui représentent la RPP dans les différentes localités confrontent réellement, c'est-à-dire des problèmes. Donc on aimerait qu'ils nous écoutent pour que la population puisse comprendre ce que c'est que la police de proximité, la valeur même de la police nationale. L'association Rapprochement Police à la Population ou Police de Proximité est une association à but non lucratif et apolitique des jeunes citoyens actifs et présents dans toutes les régions du Mali. Selon des informations, un aéronef s'est écrasé ce samedi 23 septembre 2023 dans la matinée à proximité de l'aéroport de Gao. On a peu d'informations de l'affréteur de l'appareil, mais il s'agit de l'Ilouchine 76 immatriculé TZ-98 qui a crashé à l'atterrissage sur l'aéroport de Gao. Il portait des dotations et des hommes. Différentes explosions auraient été entendues au niveau du réservoir de l'avion. Les enquêtes sont en cours en attendant les communiqués officiels. La ville de Tombouctou vit désormais au rythme des attaques à la roquette. À l'espace de 3 semaines, la ville a été visée au moins 4 fois par les obus qui ont malheureusement fait des morts, notamment des enfants et des femmes. Des attaques ignobles qui jettent désormais une paire sur la ville des 333 saints. Maimouna Ouidraogo.
Pour la énième fois, la ville de Tombouctou a été la cible d'attaque à la roquette. Hier, en fin de journée, au moins deux obus se sont tombés vers la pharmacie populaire et l'hôpital régional de la ville. Toutes les victimes seraient des civils, des enfants surtout. On compte déjà plusieurs décès. C'est la quatrième attaque à la roquette qui touche la ville de Tombouctou en moins d'un mois, ce qui provoque une psychose sur la ville car personne ne sait quand le projectile va tomber. Les hommes sans foi ni loi n'épargnent plus personne, même pas les civils. Une stratégie ignoble qui vient s'ajouter au blocus imposé sur la région depuis plusieurs semaines. À 100, un grand voleur a été arrêté le 20 septembre 2023 par la police. Selon le commissaire de la police, le présumé délinquant est du village de Surutuna dans le cercle de 100. Il a ajouté qu'au moment de son arrestation, il possédait 8 motos, un tricycle, 4 téléphones portables et aurait un complice à Bamako. Et c'est avec cette information que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur le Mali. Amen. Excellent week-end à tous. À bientôt.